Aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Company of Heroes 3. On reprend là où effectivement on avait fait un peu de multi le dernier coup, on avait découvert les défis hebdomadaires. Donc changement de semaine, changement de défi. Il y a eu une note de relique indiquant effectivement que certains défis étaient buggés. Et donc le défi des victoires était effectivement buggé, c'est pour ça qu'il ne marchait pas. Donc j'ai testé aussi entre nous, j'ai testé en créant une partie, alors, ce que je vais vous montrer. Excepté gagner en multijoueur, il faut vraiment lancer une partie multijoueur. Si vous faites une partie personnalisée, vous pouvez faire les défis de la semaine. Donc par exemple, celui-ci fonctionnerait si je fais une partie personnalisée. Je crée une partie sur n'importe quelle map. Je mets une IA, je joue contre des IA, ça permet de monter le défi. J'ai voulu tester voir si c'était possible, donc de cette manière-là, ça fonctionne très bien. Après là, moi j'ai des défis. La Wehrmacht et on va jouer américain de ce fait-là, détruire 50 véhicules avec des chars américains Sherman amélioré avec AK-76. Donc on va effectivement faire les deux. J'ai déjà débloqué dans la boutique cette récompense-là. Donc maintenant j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus. Ah, c'est toute époque d'apparence, ça. Ok, pack première division d'infanterie. Ok, pour moi il y a un pack complet déjà qui est sorti sur le jeu. Le pack première division d'infanterie, donc véhicule, infanterie, ça doit être là les fusiliers, capitaine, ingénieur, fusilier, éclaireur, tireur d'élite. Ici les véhicules. Bazooka, after ground. Allez, bazooka quand même. Camion. Bah là c'est la Willis, mortier, mitrailleuse, canon de char. Sympa ce pack, sympa sympa. Sympa sympa. Bon, après voilà, pour ceux qui se posent la question, on voit quand même les tarifs. Donc un jour sans solde peut-être. Après si on peut tout débloquer sans mettre d'argent, c'est mieux. Voilà, donc on va jouer Wehrmacht jusqu'à gagner une partie, puis après on jouera américain. Donc par rapport au bug, donc ils ont déjà indiqué qu'ils travaillent sur déjà un patch note 1.11, si je me trompe pas, parce que la mise à jour opération Chacal, c'était la mise à jour 1.10. Attends, j'ai vérifié ça dans les patch notes. Put off to work. Look at that shit. It's not worth capturing. Starting construction on our voilà.
Bah, chaîne ne pouvait pas être accomplie dans des trucs de modé, ça a été corrigé, vous pouvez faire maintenant les change dedans. Problème de pop-up en ce moment de game, je vois pas ce que c'est comme problème, mais ils ont corrigé ça. Ils ont identifié qu'il y avait certains problèmes de driver route, ils ont travaillé dessus, normalement ils devraient en avoir beaucoup moins. Au niveau des change, ce qui a été un petit peu corrigé, les change au niveau des dépôts de ravitaillement. N'est plus limité à faction de l'Africa Corp, mais est autorisé à toutes les factions. C'est très bien. Toc, toc, toc. Certains défis ont été supprimés. Attendant qu'ils soient corrigés. Correction de certains icônes ou autres pour exchange, pour plus de facilité à identifier tout ça. Stabilité, crash, donc ils ont corrigé un certain nombre de crash, de problèmes, de dialogue ou autres, notamment dans la mission d'Ingustav qui provoque généralement des crashs à cause des lignes de dialogue. Donc ça a été apparemment corrigé. J'ai recommencé derrière un peu le jeu pour faire les défis et j'ai déjà eu le problème, donc bonne correction. Donc voilà à peu près les mises à jour qui ont été faites. Donc plutôt des bonnes améliorations. Alors, cette semaine j'avais un défi, c'était faire X kill. X-Kill AMG que j'ai déjà fait. Alors, il parle de section. Alors, en réalité, c'est de soldats. X-Soldats tués. Le défi. L'ennemi perd une GS Squad qui l'a produit. Voilà, comme là. Il a peut-être gagné un petit peu de temps à ce niveau-là, mais on a gagné. J'hésite encore, j'aime bien les deux. De là. Je vais le replier. Alors, un moment. Hey, don't come. Do you see our flag standing by for orders? Un truc. Territory sector lost. Grenadiers ready. Grenadiers, run. Weapon relocating MZ while we can. Come on, man. Normalement ça, voilà. Et ça va changer un peu la donne. Mortar is ready to provide support.
and crew ready. He's fucking dying! Heads down! Retreat! On the feeling best! Ionis, take a casualty! En fait, je me fais juste surnombre. Oh punaise. Ah, ça me frustre. Ah, maintenant je vais spammer. Pas bon avec la Wehrmacht le problème. The enemy has claimed our sector. Our allies' defenses are failing. Their HQ is under attack. Present at the counter pole. Grenadiers can handle. Let's cover some ground. Try not to get lost. Take the lead. We need to secure that sector. Enemy infantry! Seize it! Grenade down! All those grenadiers, we move! Awaiting further! Keep a rush! Raise 15! On tient toujours l'étoile et c'est déjà ça. J'essaie de les remplacer cette escouade, je crois que ça coûte pas cher. Ouais, c'est. Withdrawing infantry. Panzer grenadier replacements on the way. Panzer grenadiere have been deployed to the front. Bon, de sûr, c'est pas moi qui fais gagner notre équipe. Et bon, avec des Panzer grenadiers, ça va un petit peu mieux aller. Non mais. Parce que la game est mal partie qu'il faut quitter. On était des joueurs que je déteste. We will secure it! What? We have our coordinates! Sector secured! You need everybody medical supplies? Enemy territory we grenadiers! We have the blood pumping, Schützen! Acknowledge! Weapon team at the ready! Understood! Planting orders! On est morte la game. Après je comprends. Pourquoi il y a trois ingénieurs? Panzer grenade. An MG42 has been decrewed. Do not let it fall into enemy hands. Capturing territory! MG42! That was too close! Silent! Very good! Weapon team standing by! HMG team is here! What do you want? Hold it! And don't need to come on, Doc! Sehr gut! Make it move! Jawohl! Get ready! Outside! Now!
Le problème c'est que là j'ai aucune arme contre le véhicule. Ils ont eu les deux points d'essence en fait pour un moment, bah voilà. Ouais. Un bouton de se rendre. Fini. Je vais pas m'amuser à perdre encore X temps avec une faction que j'aime pas, j'apprécie pas jouer. Hein. La partie était perdue, ça servait à rien de continuer. Hein. Ils avaient déjà 3 véhicules. Moi j'étais encore très loin d'avoir mon premier véhicule. C'était pas gagnable. Autant que tu n'aurais pas quitté. Il y a toujours une possibilité encore de gagner. Autant que vous êtes déjà un de vos joueurs qui quitte. Vous trouvez en infériorité numérique à partir de là. C'est plus compliqué. Hein. Ouais, une défaite dans les règles de l'art. Hein. Ils étaient meilleurs, point. Baclo. Hein. Alors, britannique, britannique, américain. Américain, américain, britannique. Mais... Pourquoi ils font deux ingénieurs? Il y a quelque chose que j'ignore, dans les stratégies, soit il y a un truc qui est pas bon. Oui, souvenons-nous que double ingénieur c'était pas bon. Hein. Weapon team moving to capture. You need how many pioneers does it take? MG42 and crew ready. On your feet, soldiers. Max, get back on the gun. Territory captured.
c'est fait. Ça. Elle tire pas. Pourquoi elle tire pas? Elle tire trop tard, à mon avis. Oh punaise, pour moi elle avait tiré trop tard, la batteuse. Et non, elle a tiré juste au bon moment. Vu que l'autre veut spammer ses unités là, j'ai meilleur temps d'avoir deux. Ouais. March, Kinder! Like you really secure that location! Under, move it! Faster! Give us a target! Weapon! I want that flag raised. I'll man the gun. What needs dealing with? We must secure that location! Where the fuck is he? Order! Pick up your feet! We need that 251 half track is deployed. Achtung! Getting there fast MG as we can! MG will be ours. Moving on location! What now? Panzergrenadiere have been deployed to the front. Tu tires pas, toi. Et ben écoute, l'autre cancer comme tout, hein. Ingénieur d'assaut lance-flamme, sniper, la totale il me fait. Hein. He's buried and set. On your feet,
Don't look at me! Fire ready. The Panzer Faust! Grenadiers have a fire! Get ready, Panzer Grenadiers! Commandant! One of our capture points is under attack. Grenadiers dead! Grenadiers! Hold down! Where's the fucking support? Don't give them a chance to reload! Il me se prit les deux. Pioneer infantry killed. Donc ils ont perdu un snipe. He's fucking dead. Inside Kinder, follow. Never thought I'd see. Ils ont perdu un sniper. Where the fuck is he? Merge Kinder, like you really care. Get to Grenadiers. Back to full strength. Ils ont perdu un des deux snipes. Donc ça, c'est un bon coup, ça. L'autre, il fait que du blob, l'autre. Donc c'est pour ça que ça se passe bien. Territory lost. Weapon team at the ramp. Sniper! He's firing on us! HMG team is here! What do you want? Replacements? Grab the ammo. We have orders. Méfie, y a des bazookas à droite. Confirmed. Light vehicles can now raid enemy territory and capture resources. The momentum to end this. Very good. Weapon team standing by. Yes, sir. We're marching. Squad, secure their territory. Cut them off. Repel them. Shoot, they're shooting at us. MG42. We're ready. Just stay low. How would that be you? Move, Panzer Grenadier. Quick march, Panzer Grenadier. Je veux jouer à ça, y'a pas de soucis. Hein. Ok, je viens de faire une erreur. Misclic sans que vouloir. Faut que tu fasses gaffe parce que j'en ai déjà tué un avec les grenadiers. Là, je vais rusher un petit Panzer 4. Points left. We must persevere.
crossed. Grab your tools. Pioneers, in due course. We're ready. Rapid response. Light artillery batteries are now ours to command. Oh, ils peuvent, ils peuvent. Voilà. Ils m'en fichent, ils ont perdu de l'essence. Ah bon, mes alliés, ça se passe bien de leur côté. Bah globalement, par rapport à la première, elle est bien mieux celle-là. Après, faut dire que... Bon bah... On passe par un endroit, ils essayent par un autre. Bon. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a d'eux? Upgrade complete. Get moving! Get me that ammo! Panzer Grenadier reinforced! We're moving there! Driver ahead! Engines running! Get the blood pumping, Schützen! Driver, when you're ready, confirming orders. Shift this panzer! Go! Et là par contre ça a pas de prix là. Ils ont dépensé des ressources. Bombardement qui fait pas mal de dégâts. J'ai replié ça. Allez, Miss Click. Bon, c'est pas... Voilà, c'est ça. We have secured the advantage. 100 points left. Pioneers, awaiting orders. Pioneers. MG42 and crew ready. We can do that. Eager to get moving. Reverse. Ça fait un mordeur. Ça fait une grosse position défensive. Et moi, là, si je pourrais, j'enverrais une escouade juste là pour capturer. Hein. Sophia's field ready. Where the hell did they come from? Ready. Fucking move! Artillery. I want that infantry dead, Schützen! Quick march, Panzer Grenadiers! The enemy have only 25 points left. Give us orders! Move fast! Get closer! Advance! Ils ont lancé bombardement d'artillerie. Bah, c'est une belle victoire ça. Entre la première partie où j'étais ultra nul, celle-ci, pas mal, pas mal. Je pense que je regarde mes batteuses à mon avis. Ouais, voilà.
me suis bien renforcé. Hein. Il en a fait 4 l'autre. Ah le blob. Ah le dégueulasse. Attends, il aurait fait une ou deux escouades. Je veux encore bien laisser. Je veux bien le laisser faire. En faire 4. Or 4 de l'autre, à l'opposé de là où on était. 4 escouades de l'autre côté, ça aurait été ultra fort. Ça, il faut quand même le dire. Parce qu'effectivement, 4 escouades dans la partie citadine, avec les lance-flammes, ça aurait été très efficace. Là où j'ai été, le problème, c'est que c'est du frontal. Donc là où moi, je m'étais positionné, c'est juste une hécatombe hein, d'attaquer à cet endroit. C'est qu'une hécatombe. Mais bon, l'ennemi n'est pas assez futé pour avoir l'idée de contourner. Ils sont même mis un moment à deux. J'ai tenu. Je pensais, honnêtement, quand j'ai vu l'Alftrak arriver, le hachoir à viande arriver, je me suis dit, et là, à mon avis, je meurs. Mais ils ont fait les erreurs de micro qu'il fallait pour que je puisse prendre l'initiative. Ils m'ont un peu trop rapproché. J'ai pu mettre le coup de Panzerfaust dedans qui pète le moteur. Et je finis avec la compétence de la mitrailleuse. Donc... après c'est très bien enchaîné en face, je comprends pas, ils continuent, ils ont fait deux snipers, j'ai un véhicule d'Iripop, voilà, ils perdent un sniper aussi, le violet perd un premier sniper. Il y a quand même pas mal de choses où bon, j'ai pas forcément été fortement beaucoup meilleur, mais je suis content de moi, j'ai quand même fait certains moves qui ont peut-être fait gagner la partie, peut-être. Après mon allié au milieu qui était un peu dans la même situation que moi, il avait fait le bunker de Ripop. Ah bah tiens, de nouveau à ma place. Il avait fait le bunker de Ripop au milieu, donc il avait de quoi Ripop. Donc s'ils n'avaient pas de mortier, ça servait à rien. Et... l'idée de faire une position de mortier, c'était peut-être pas une mauvaise idée. S'ils avaient des munitions en rab, je peux comprendre. Mais je trouve qu'il est arrivé très tard quand même. Ils auraient sorti plutôt plus rapidement un mortier. À un moment, ça s'est vraiment tenu qu'à un fil. Donc, je pense qu'il leur manquait pas grand-chose pour me flinguer. Vraiment pas grand-chose. Nous, ce qu'on va faire, c'est celui-là. Alors, cette compétence-là est très bien. Quand vous jouez véhicule ou autre, c'est génial. Hein. Commencer avec des véhicules level 1, c'est très bien. Moi, personnellement, alors c'est mon point de vue. Je trouve toujours plus intéressant d'ajouter un soldat et une escouade d'ingénieurs. La raison est la suivante, c'est que le soldat en plus, c'est-à-dire que vous allez réparer plus vite, vous allez avoir déjà plus de points de vie, un soldat de plus, 90 PV de plus, plus de puissance de feu, et une plus grande vitesse de réparation. Et c'est sur ce point que moi ça m'intéresse, c'est justement d'avoir des unités qui réparent plus rapidement. Après bon, d'autres me diront, ça sert à rien, vous avez ça, ou t'as ça. J'ai une préférence, de ce que j'ai pu tester, moi j'ai une préférence pour réparation sur le terrain. Pour les réparations automatiques. Toujours pareil, c'est des préférences personnelles. Ça veut pas dire que c'est la meilleure stratégie. Simplement celle avec laquelle j'apprécie le plus jouer, tout simplement. Alors juste, je regarde un truc, mortier, half-track. D'un coup de main.
En fait, j'ai hauteur, donc je peux l'aider en tirant d'angle d'eau. En tout cas, moi, j'ai un non seulement j'ai un couvert vert, et en plus, je m'a découvert l'autre. Bon, même si c'est des unités de corps à corps, rien que ce petit move-là va me donner un surplus de puissance qui va être très agréable. De mon côté, j'ai quoi ? Wehrmacht classique, ok. Ouais, je pense avoir... Là, moi, je trouve ce par contre, je trouve dans cette position, je trouve ce commandant là plus fort. Voilà. Vous venez juste de voir pourquoi je trouve ce commandant là beaucoup plus fort dans cette situation. Et à la petite escouade là, ah, je l'ai bien. Ah, si, droite, c'est mal. Mais c'était bien senti, c'était bien senti. Là, je vais pouvoir faire mon PC mécanisé. Là, le début de partie, c'est pas... Putain, qu'est-ce qui s'est passé à gauche? Attends, il... Ah si, il y a quand même combattu. Ah ouais. Bon, là par contre, je suis en combat urbain. Alors, cette compétence, maintenant, pour information, coûte des munitions. Ça doit être 32 munitions. Hein. Deux escouades avec des lance-flammes. Pas besoin de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire half-track batteuse. Je sais qu'il y a la batteuse derrière, je suis pas bête. Ouais, comment il joue, ça se voit totalement qu'il y a la batteuse derrière. Par contre, avoir une troisième escouade serait pas... Il faut absolument de quoi ripop. Je vais prendre ça. Ouais, enfin, ça réduit le coût de population. Donc, c'est ça, ça prend 6 de pop. Ça rend F6 ici. Ces trucs prend plus que 4 de pop. Enfin, c'est un peu différent, mais c'est quasiment ça les valeurs. Un tout petit peu plus. À peine différent au niveau des valeurs. Ah, mon allié qui se prend le mien. Toi-ci. J'aurais bien aimé. En bâtiment là. Merde, on est dehors. Par contre, s'ils peuvent éviter de rester groupés, ça m'arrangerait. Le but, c'est juste d'embêter.
Voilà. À gauche, il a repris l'initiative. De mortier va être très utile au centre. Hein. De bazooka, je veux dire. Ça, c'est tout con. Ça crée un goulot d'étranglement. Pour les véhicules. Ça coûte pas grand chose. Et par contre, les véhicules vont de. Voilà. J'ai été un peu trop gourmand. Ça, je dois le dire. Voilà, je vais prendre ça. Hop. Voilà, comme ça, ça coûte. Voilà, comme ça, maintenant j'ai 3 ingénieurs. Ouais, très bien. Je pourrais faire ce bâtiment pour un canon de char, mais je vais rusher tout de suite les tanks. Quoique, il faut encore 50 d'essence en plus. Non, me dites pas que... Ah oh, putain de... Il allait débloquer. On a besoin absolument ici. Si je les ai pas, l'affrontement risque de mal se passer. Mitreuse de la paire, j'aurais pas temps à sortir donc ça sert à rien. Mais ça je savais, la batteuse était perdue. J'ai perdu la batteuse, j'aurais dû la sortir plus tôt en fait. Mais bon, j'ai pas eu réflexe avant donc c'était mort. Ça sert à rien que j'essaie de la sortir, c'était trop tard. À part perdre du temps de micro. Par contre, mes éclaireurs. Ils vont. Partir en bêta un peu. Une deuxième escouade de bazooka. Partir là-bas. Il y a un truc lourd qui... Ah ouais, un mortier lourd. J'ai pris quand même beaucoup de choses en face de moi.
C'est qu'ils sont un peu nombreux, quoi. Apparemment, ça, à ce point où il n'y a pas. Comment je sais, même si c'est bleu, ça clignote pas. Ouais, à mon avis, je vais pas tenir longtemps. Meurs temps de me replier. Voilà. Me replie, je vais en arrière, j'y retourne tranquillement après. Pas grave. Il n'y aura juste pas de... Je vais pas te faire tout de suite le truc de rip-hop. Ah, la petite escouade là a capturé quand même du truc, juste pour embêter. Hein. Ah, 12, 8 au lieu de 10, 12 au lieu de 14. Non, on, ça, ça doit être 11 au lieu de 14, je crois. Ça, je crois que c'est 14 aussi, Sherman, je crois. Du coup, on produit le coup de point effectif. Là, on y retourne. Je vais avoir le premier Sherman de ma collection. Les scouts que je voulais absolument démolir ça. On va tranquillement se replier. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais contre-attaquer avec les tanks. Et ça va pas être la même. Ah, ça coûte rien. Ah, et ça coûte plus que 4 de pop, ça coûte 200 de pop. C'est gratuit. En fait, l'avantage, c'est que ça coûte pas grand chose après. Donner un coup de main à mon allié à gauche. Après, l'amélioration A, si je peux le faire, rendre un peu plus. Converging on a fuel point. Back on. Back on. Back on.
sector. 200 points remaining on our front line. Engineers here. Grab your engineers. Take an enemy fire! Go. Stick together. Make a decision. Big box stop now. Stop anything. Grenade! Shit! Move it. Oh, fuck. We're losing Up numbers. The open. Oh, we're there. Bring that target down. Infantry, get to cover. God damn it. Head to the location. Fall engineers back. Taking right. losses here. Sherman here. Perdre deux escouades. Ah, punaise, ça fait mal. Territory point is no longer under our control. Commander, we should spend our munitions. Head for CP! We've been given a purpose, boys. Get this tin can moving! We got engineers looking for trouble. Give us something. Bon, après mon Sherman, il a fait pas beaucoup de kills. Ah si, quand même 9 kills. Scouts, lead the way. Go on, give us something to have up that. Un véhicule ça. Mais il est nul. Tellement nul. Putain, Sherman 76. On a tiré je sais pas combien de tirs, on a touché aucun. Habituellement, il est plus précis que ça, quoi. Là, bizarrement, ça marche mieux. Le fait que l'autre l'ait pas fait tomber sur lance-flamme, ça, mais. C'est un peu agaçant, mais bon, c'est comme ça. Sherman reporting. Rev up that engine. We're moving. Keep your
territory. Ah, c'est lui qui a récupéré le... Oubliez-eux. We got a full crew. Sheriff, we need to park it over there, man. Weapons, secure that ground. Sheriff, let's get this baby purring. Lock that MG fire. Rien que ça. J'ai oublié que j'ai des obus détonnants avec eux. Vu que c'est sûrement une classique et pas des. Pas de Firefly. Ça va quoi? Tirer son sa roquette à phosphore. Ah, l'amélioration de la défense. Ça a été divisé par deux les dégâts. Ah bah quand je vois ça. Hop, tiens, cadeau. Ah, quand je vois ça et me dire que ça a été divisé par deux. Mais c'est du foutage de gueule. Le pire, c'est que j'ai quand même réagi instant, hein. Sherman reporting. Unhitch this thing. We're moving on foot. Our objective's clear. Okay, let's crank her up. Start blasting that goddamn line. Orders, we're on it. Enemy activity near our munitions point. Le problème c'est que je suis en train de perdre ma masse critique de tank. Ah,
stand to. We got the tools. Tools down. Pourquoi il arrive pas à avancer au milieu? Enfin, sincèrement, à mon faux. Enfin, mais y a rien au centre, les gars. Réparer le... Merci. Ouais, l'autre il attaque, on a vu ça. Enfin, je... Moi pas. Aucune stratégie dans son mouvement. Ouais. J'avoue que si j'avais mis au moins les deux toutes tactiques, ça... Ça sera un poil mieux, mais bon. Et encore, même pas sûr. Hein. Elle est finie la game, de toute façon. Hein. Ah, ça me saoule, j'ai bien joué. Putain d'allié. Ah, mais là, qu'est-ce qu'il a branlé, l'autre. J'ai toujours été en moins en pop, mais j'ai toujours été plus efficace que le rouge. Tout le long. Punaise. Perdre cette game qui était normalement pas possible à perdre. Autant que Britannique, il jouait bien, autant l'autre, là, l'autre américain, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Début de partie, il avait l'incendant, puis après, je sais pas ce qu'il a foutu, il s'est reposé sur ses lauriers ou il a fait n'importe quoi, il s'est juste fait démonter. Bon, enfin, j'ai vu ce qui vient, vu le dernier move que j'ai vu, sincèrement, il s'est pas joué. Hein. Je contourne par le milieu, je vois deux canons anti-char sans infanterie autour. Ben, j'ai pas l'idée d'envoyer mon infanterie dessus, non, j'ai l'idée d'attaquer frontalement l'autre. Bon. Au final, il s'est fait encercler par deux armées, il s'est fait raser. Après, voilà, l'Afrika Korps en face, il a bien joué sa position centrale, il est à droite et à gauche, très bien pour lui. Ça, il a très très bien joué sur ce point-là. Faut quand même complimenter les joueurs qui ont quand même su bien jouer. Hein. Au niveau des escouades de lance-roquettes, j'aurais pu mieux jouer avec, mais j'ai... Je pense que c'est pas une mauvaise stratégie en... quand t'es dans la ville, de celle que j'ai fait. Et oui, bah, après je pousse aussi sur Sherman 76, il faut que je fasse des kills avec. Honnêtement, j'aurais fait, dans la composition là, j'aurais fait d'abord 2 L4. Hein. Bien que Sherman 76, bon, au début là, il manquait un peu d'efficacité, après ça s'est un peu amélioré contre l'infanterie, mais l'avantage, il est polyvalent quoi. Ou j'aurais peut-être dû faire un M8. Quoique un M8, l'infanterie était pas un problème, hein. Mes ingénieurs tenaient bien. Hein. Allez, je suis en position centrale, hop. J'ai quand même bien envie d'essayer quand en position centrale ce que ça peut donner.
Le jour où ils nerferont ça, ils feront comme Compagnie of Heroes 2. Africa Corp. Ou parachutiste, ok. Après voilà, moi personnellement, je pense que l'idée de faire pas mal d'ingénieurs n'est pas forcément mauvais. Sincèrement. Non mais sincèrement. Pourquoi il a quitté Africa Corp? J'avoue, je... Oula. Si je peux jouer contre 9. Ouais, Africa Corp. Sincèrement, je le sens pas trop mal. Que vu que je suis bon au corps à corps et que j'ai assez rapidement, en faisant le bâtiment que je fais, le bâtiment de soutien, j'ai rapidement les bazookas. Donc les petits véhicules légers de l'Africa Corp, généralement, je peux dégommer assez vite. Bon, j'ai pas eu de bug pour péter la... Le sidecar. Le sidecar, effectivement, les deux roquettes qui étaient racotées. Bon, après... Il faut bien aussi un peu de réussite pour les adversaires. Hein. Africa Corp, Wehrmacht, Africa Corp, Africa Corp. Mince! Par contre, ouais, ce qui choque par rapport à Africa Corp, c'est, je trouve, le nombre de points d'effectifs que j'avais. Même, je suis en train de me dire à Wehrmacht, la première partie qu'on a fait, ou j'ai... Non, ou la deuxième, c'est la deuxième. La première, pareil, on a perdu. La deuxième partie qu'on a fait avec la Wehrmacht, avec le, où j'ai pas arrêté de rip-up contre les snipers. Enfin, j'ai rip-up en continu, sans trop de problèmes. Parti sur quoi, mes alliés? Blindé, artillerie. Location secure. All quiet. Clearing a path. We'll find
need some recon? We can't. Advance team, securing point. Let's get to it, fellas. Hey, you got a job for now us? Scouts, lead the way. Engine and good guys up, front and center. What's up? Take that point. Take push them out. Listen combat up. And take that second. Si je sure peux. Ah, punaise, à quelques secondes près. Assault engineers have reported for duty. Engineers standing by. Contact! MG-42! Sir, scouting ahead! Infantry! We got them! Get seizing location! What's the off squad? Advance! Hey, all right, man! Let engine out. Eyes up, helmet's on. We're going. Hold that perimeter while orders we capture. Orders incoming! Move it! Now! We got new guys up, front and center. God damn it, what now? Engineers here! Go, stick what's together! The scouts head to look God, don't shoot. Stop for anything! Squad! Man, grab your kid! Let's go! Combat entries just put dragon behind! Yeah, yeah, scouts just here! Par contre, ouais, il y a pas de fenêtre. Bah si, il y a des fenêtres, pourquoi il me tire pas dessus? C'est que là ils sont pas dans les bonnes distances de tir. Ah, il a quand même fait repousser haut. Ouais, mon avis, il a quand même bien joué. Il a quand même repoussé. Ou c'est Africa Corps peut-être du sud, là plutôt. Bon, après, j'ai pété comme une batteuse. J'ai pas perdu des squads. Perdu juste du temps. Là-haut, mon allié a l'un des points. Au sud, ça se passe pas trop mal non plus, on dirait. Bon. Bah, si je peux avoir un deuxième lance-flamme, ça se passera mieux. Ah, tiens, ça augmente aussi la portée d'exécution des mines. J'ignorais ça. C'est ça, c'est bien 6 de pop. C'est bien celui du nord qui m'a attaqué. Un cadeau. Il a perdu son bonus d'attaque. Putain, mais son. Donc tous au nord. Après j'ai du lance-flamme. Enemy infantry, close it in! Combat engineers! God damn it!
Ils sont tous au nord. Le véhicule de Ripop qui a tellement carry sur le coup. C'est à couvert. Qui a fait un très bon move pour contourner. Et ben on a bien tenu hein. Maintenant que l'orange est plus sur nous. Ouais, c'est. Le véhicule de Ripop qui est MVP. Hein. Les lance-flammes, les véhicules de Ripop. Par contre, ouais, je comprends pas je comprends pas. Leur stratégie est tellement all-in. Après, voilà, c'est leur stratégie, hein. Mais je trouve que c'est tellement all-in, quoi. Ouais, maintenant, ouais. Le rouge qui a plus son véhicule de Ripop. La petite escouade de bazooka que je vous parlais, et bah finalement, qui s'est montrée bien efficace. Parce que ça a permis de dégommer, bon, celui-ci qui était important et celui-ci qui était important. J'aurais peut-être dû en faire peut-être deux et non pas une. Là-dessus, on peut essayer de pousser, voir où c'est plus efficace. Maintenant qu'on a un allié au centre. Là, maintenant, ils vont se trouver en sécheresse de ressources. Finalement, je pensais qu'il y avait plus d'escouades du violet au nord, mais finalement, il n'y en avait qu'une escouade.
Donc c'est vrai que là-dessus j'ai un peu crié au loup alors qu'il n'y avait pas le loup. C'est tellement gratuit en faisant cette amélioration. Them on 300 points. Engineers here. We're denying access. Reese's, stand to. Get those tank traps into position. Get those tank traps into position. Let's go. I'm on eyes everywhere. Ah, là, je suis vraiment dans mon élément, combat urbain ou autre. Oh merde! Je n'avais pas vu que j'avais construit. Oh, ils peuvent monter. Nickel. Forward units report the crowds are down to 250 points. Stand to. New guys up, front and center. Engineers standing by. Got the word from battalion command. Let's get where we're going. Combat and enemy contact. Hey, you got some all ass. Stop, damn it. What now? J'ai cru qu'il me balançait une grenade, mais... Vache. C'est tout lié à ça. Faut qu'il met des troupes, hein. Heureusement que c'est lié, hein. Et là on a un contrôle des ressources. Ils ont pas de quoi appeler des véhicules, ils ont pas d'essence quasiment. Finir, je crois bien que je vais faire le défi hebdomadaire, il me faut de compte des IA à ce rythme là. Tank finished and ready. Got the all clear. Here's the trouble.
infantry! Get to cover! Get on with that location! Let's move it, you maggots! We've got wounded! Enemy is losing their grasp. They're down to 100 points. Orders are orders. Let's go. Quit lagging behind. Engineers here. All ass. Sherman reporting. All right, let's move out. Engineers have been reinforced. Sherman reporting. That's an affirmative. Look alive, boys. Arrows are coming close. Okay, let's crank her up. Cover. Our objective's German on point. We've got our mission. German on the move. Enemy down to 75 points and falling. They're giving up. Get this tin can moving. German on point. What? Advances. German on point. Close. Their line's breaking. Only 50 points left. Mais vous avez vu ce rocher? Faire deux escouades de bazooka, c'est une bonne idée, ça. Faire deux escouades de bazooka. Ça donne un bon... En fait, l'avantage de faire des escouades de bazooka, ça me donne un peu de répondant contre les véhicules. Ça m'évite de dépenser trop d'essence. Nous deux, on a carry à game. T'as des moments où ce qu'on s'est pris dans... Ouais, par contre, oui. Enfin, sincèrement, oui. Ok, c'est du foutage de gueule. Regardez, il y en a qui est quasiment pas d'armée. Allez hop, voilà, c'est bon. Les véhicules ne servent à rien, ça par contre, ça veut tout dire. Ah, j'ai quand même dégommé deux véhicules. Après voilà, le commandant, je pense que le commandant que j'avais était adapté aussi à ça. Bah même map, tiens. Voire 4 escouades d'ingénieurs, je pense qu'il faut faire. Ah, c'est Monte Cassino, ça, tiens.
Ah, je pense qu'il faut faire 3 ou 4 ingénieurs. Les deux escouades de bazooka étaient tranquilles. Engineers have been bolstered and are ready for combat. Orders coming down the pipe. Get ready to jump off. Let's get once we capture that point. Be ready for any counterattack. Assault engineers have reported for duty. Combat engine, two guys up, front and center. We'll get it done. Looks unoccupied to me. Let's take it. You name it, we'll capture it. Alors. Scouts, loaded and capture and hold that area. Assault engineers are entering the field. Engineers here, sir. Engineers standing by. Engineers looking for trouble. Ensuite, si je veux construire ça, il va me falloir ça. Ouais, faire ce bâtiment-là, ouais, dans ma stratégie, elle va bien. Après, je pourrais faire ce bâtiment-là, mais j'aurais pas les 76, donc ça ira pas. Mais juste pour augmenter la vie de ces unités-là, du fait que t'as déjà toutes les améliorations de véhicules là. Oh, moi j'ai plus de son. J'adore quand ça bug. C'est moi. Au bureau intempestif. Ah, ça a provoqué des drops d'images, je suis désolé. Il y a deux qui ont sauté avec ce problème de retour au bureau. C'est que là, j'ai des distances qui sont trop longues pour profiter de ma puissance. D'ailleurs, je suis pas assez close combat. Pas de véhicule l'autre. Pour couper mes troupes. Je vais les perdre. Bon, premier assaut, pas efficace. Même catastrophique le premier assaut. Fait tomber, j'ai même pas fait tomber abatteux, le lance-flamme. Donc tout sauf efficient, pas grave. On va en reprévoir un autre. Est-ce qu'il y en a qui a mis un truc de vie? Looking for trouble lagging behind.
Bazooka Squad is equipped and ready. Well, look what that cat coughed up. Contact with the donner un coup de main aux Aguirre au sud vu qu'on en a deux qui sont regroupés au centre. Petite attaque, nickel. Par contre, c'est l'hécatombe. Hein. On perd là, on a quasiment tout perdu à droite. Hein. La sœur sabateuse. Mais sincèrement, faites gaffe aux misclic, les gars. Là, c'est un truc qui peut coûter cher. Renforcer le centre. Mon escouade de bazooka a quand même fait le boulot déjà. Même ces cas, j'ai peur des escouades parce que l'autre n'a pas assez de troupes. Moi je peux plus l'aider. Hein. Mes alliés au milieu sont un V2, sont en 2v3. Faut que j'aide en même temps que Sud. Je peux pas. Hein. À moi il faut qu'il gagne son 1v1. Hein. Moi je contourne, mais bon, j'ai plus assez de troupes là quoi.
Action! Here it comes, fellas! Get ready! Scout ahead! Order confirmed! Let's go! Move up! En fait, là maintenant, je me fais. Ah, faut que je me replie. Je vais pas prendre le risque de perdre mes troupes. Oh punaise, équipe de daube. Je veux se parier qu'ils ont aucun anti-char au centre. Bingo! Mais c'est le B.A.B.A. Enfin, sincèrement, j'ai l'impression de que les gens ils apprennent à jouer, quoi. Vivement qu'ils remettent les rangs de code. Hein. Avant, tu lançais des parties, t'es tombé dans des personnes de ta même mère. Donc c'était ça que j'aimais bien sur Compagnie of Heroes 2. C'est que voilà, j'étais level 16, 17, 10... Enfin, 18, ça m'arrivait qu'une fois avec les Upper Commando, ouais. Donc un niveau quand même assez élevé. Au moins, voilà, les ennemis savaient jouer, tes alliés savaient jouer, donc ça jouait bien de partout, quoi. Tout le monde avait B.A.B.A., tout le monde faisait des anti-chars, etc. Gars, mais comment c'est possible d'arriver à ce stade? Le bleu n'a aucun anti-char. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Sincèrement. C'est la base du jeu. Ils vont se faire parler. Lui, heureusement, il prévoit un peu. Est tombé. Prends ta charge. Ah, ils perdent l'ambulance, c'est leur point d'ancrage. C'est un peu comme moi. Mais si tu captures pas. On va arriver au sud, hein. Toujours pas anti-char le bleu. Punaise, il y en a que maintenant, sincèrement, c'est du foutage de gueule ce gars. Ah bon, ouais, j'ai un peu misclic là, j'avoue. Stop for anything! Okay.
Ah. Un move. J'ai juste flanqué. Hein. Moi, à un moment, je me prends les bombardements de tout le monde. Voilà, fini. Non, mais... Repliez-vous, les troupes. Repliez-vous. Repliez-vous. Daté en bas. Woody va arriver avec des tanks, il va se faire raser que bas. Il fait quand même bien mag, il vient de tuer d'une escouade, il va... deux escouades. Il a déconné, soit du bas, il a déconné. Rasé, le bleu rasé. Bah, ça va, bisous, au revoir, hop. Sector lost, no contact. Well, look what the cat coughed up. Let's head out, boys. Stay together. Ouais, le vert, c'est bon. Je m'inquiète plus trop, je sais qu'au moins le front sud. Ça marchera. Par contre, le bleu foncé, enfin, c'est une daube. Mais il est où son infanterie? Non, mais à un moment, enfin, sincèrement. Ils cherchent juste à se perdre, les alliés. Enfin, quand je vois ça. 4 escouades de bazooka, enfin. À un moment, je veux bien donner le bénéfice du doute, mais c'est du foutage de gueule, ils savent juste pas jouer, point. Aucun sens de la stratégie. Le problème de ce qui se pose, qu'ils ont construit en fait une ligne de défense. Ouais, c'est une belle paire de grenades, les gars. Mais en gros, j'ai l'impression que lui, il fait que les antichars, lui, il fait que... Et même pas. Enfin, non, mais sincèrement. Un tigre, ok. Let's get this baby turned! Heads charged!
On sait que moi, à un moment, je vais tenter quand même. Ah, c'est quand même pas dur. Ça qui évoque depuis le début. J'ai perdu contre des batteuses. J'ai oublié totalement mon infanterie. On pétait quoi? Mon véhicule de rip-hop? C'est rien du tout ça. On sait pas que c'était aussi des sous. Bref. Ah, c'est bon, je perds toutes mes escouades. J'aurais pas dû. J'ai tenté le diable parce que mes alliés sont pas assez bons. Voilà ce qui se passe. Malheureusement. On a deux joueurs qui savent pas jouer. Lui qui... Voilà, 5 escouades. Lui qui joue comme ça. Ils ont pas été capables d'aller au nord alors qu'il y a juste à péter des barbelés et après tout pouvait traverser. Ouais, tant pis pour les tanks. De toute façon... Bon, je pense avec un char, j'arrive à péter trois autres chars. Bon après oui, j'avais aussi des squads de bazooka. J'avoue que ça aide. Et ce n'est vite fait ici. Bien, hein. Il y a que des bazookas. Par contre, contre l'infanterie, il n'y a rien du tout, le sion. Hein. Allez hop, on va tenter de la gagner.
Même si pour moi, même si je pense pas qu'elle le soit, hein. Je vais être transparent, pour moi elle est pas gagnable. En 88. Je fais une belle ligne de défense. Bah, je suis totalement oublié les squads que j'ai là-haut. Je rêve pas, hein. Allez, move! Bishop, enfin, deux bishops, pas d'infanterie. Ah si, deux escouades. Ouais, mais c'est que moi j'arrive à un stade où tout seul c'est compliqué. J'ai pris d'ailleurs ce truc là sans que vouloir, c'est génial. Absolument que ça neutralise, tant pis si je perds escouade. Ils ont beaucoup d'artillerie, ils ont fait une ligne de défense, ils ont tout. Et art. Rien que ça, c'est tellement sympa et dégommé. T'envoies juste deux escouades d'infanterie, tu vas dégommer. Au moins, à un moment, je peux pas aller partout, quoi. Outil pourrait sortir une DCA mais il le fait pas. Le tank est mort. J'ai quand même 88 qui va me taper dans le dos. Ah, comment vous... À un moment vous voulez que je combatte comment? J'ai l'impression d'être le seul à avoir une armée. Le vert il tient sa position, lui... Enfin, non mais c'est du troll, ça peut être que du troll ça, je suis désolé.
Pareil, l'autre qui fait, enfin, sincèrement, à un moment, c'est les joueurs, ils apprennent à jouer, quoi. Il n'a pas d'unité anti-infanterie, il n'y a rien. Là, le problème, c'est qu'il y a une batteuse soit dans le bâtiment, soit dans le bâtiment là. Donc, sans artillerie, je ne la prendrai pas. Et vu les tickets qui nous restent, je ne pourrais pas produire de artillerie. J'aurais pas possibilité de la faire. Vous voyez, Wout, il a fait juste autant de bazooka pour ça, sincèrement. Minable, mes amis, minable. Autant que Vert, je peux lui dire qu'il a bien joué, autant les deux autres, des grosses doubles. À chier. Enfin, sincèrement. Non mais... C'est du foutage de gueule, sincèrement. C'est du foutage de gueule, ça. 12 unités de bazooka ? Moi, faut pas être surpris qu'on perd, hein. Sincèrement. Or qu'ils étaient pas très bons en face, hein. Ça, c'est le vert. Non, le vert, c'était... C'est le vert, ça. Ouais. Ben, sincèrement, un moment... Là, je suis curieux de voir mes ratios. Bon, les MG, je l'ai pris. Ça ne servait à rien. Ça, pareil, je l'ai pris par erreur. Ouais, enfin, certains en face c'était pas bon non plus. Hein. Sincèrement, ceux en face c'était pas bon du tout. Perdre là-dessus alors que contre des joueurs qui étaient pas bons. J'ai pété, je sais pas combien de fois l'ambulance. Deux fois ou trois fois j'ai pété l'ambulance. Donc ça s'est bien passé. L'ambulance d'orange, j'ai dégommé quoi, deux fois? Une fois au tout début. Deux fois, je crois. Pas trois fois, je crois que deux fois. Donc j'ai quand même pété deux fois l'ambulance. L'infanterie de l'orange, j'ai explosé. Je suis allé aider le vert en bas. Je l'ai plutôt bien aidé à plusieurs reprises. Ça s'est plutôt bien passé. Mais au nord, ils se sont fait écraser, hein. Les deux bleus se sont fait écraser. Alors qu'ils avaient pas d'artillerie, sans artillerie haute. Ils ont perdu leur mitrailleuse dans les bâtiments. Enfin, ils ont... Ils ont mal joué, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot.
Allons-y pour notre partie. Après, c'est que je joue aussi, c'est aussi le jeu. J'accepte de partir. Je préfère jouer en à plusieurs. Moi, si je joue que sur moi, au moins je connais mes compétences. Je peux en voir que moi-même. Tu tombes sur une équipe où t'as des alliés qui sont mauvais. Voilà. C'est risque aussi, hein. Engineers have been bolstered and are ready for combat. No route too challenging. We gotta capture and hold that ground. Oh, trois Africa Corp. Assault engineers are entering the field. Je vais tout faire inverser. Si on va mettre là, et si on va rusher là-haut. Assault engineers have reported for duty. Scouts loaded and ready. Greases, stand to. Come on, boys. Capture orders just came in. Ah, j'avoue que la position centrale, ça a plus chiant sur cette map. En 2v2. En 3v3. Parce que la position centrale, c'est ça. Et pour accéder ici, il faut que tu passes soit par le nord, pour accéder là, tu passes par le sud. Autant c'est que ça va, autant quand tu as besoin de basculer là, c'est assez vite compliqué pour les renforts ou autre. Par contre, si j'arrive à prendre l'essence dès le début, ça c'est bien. Un scrupule, on va se rendre dedans. Rentrer dedans. Et tu veux jouer full ingénieur, moi je veux rentrer dedans. Bazooka squad reporting in. Gunny says we gotta move. Engineers standing by. All right, come on. We got the tools. Hedgehog's in position. They ain't getting through here. Get those tank traps into position. What's up? Move it! Secured. All quiet. Heading to new quarters. Comme violent, hein. Le jour meilleur. Get those tank traps into position.
Greases, stick. All right, who's on flamethrower duty? Engineers here. All right, into the death trap. Enemy infantry, bolt it in. Scouts, loaded scouts, lead the way. Engineers here. Get those fucking boots in order. God, grab your kit. Go. Don't stop for anything. Watch me avoid that. Here we come, Harry. Grease, new guys up, front and center. String up this area. Follow my lead. You, Nick. Let's head out, boys. Stay together. Well, we'll keep those bazookas on the wings. Let's go. Engineers looking for trouble. Point is advanced to new position. We got a little worn out, moving out, fellas. Hey, you got a job for us? Barbed wire in position. Engineers here. To take it suppressant fire! Sector! That's secure HQ! Disengage! Well, the super team, pick up the pace! Engineers, new guys up, front and center. We're denying access. Right on back, you son of a Ah là, bateau, je m'y attendais pas. Make a decision. Grab your kit. Go. Engineers have been reinforced. Ready to get to it. Where to, sir? Let me guess. It's somewhere pretty. Medical vehicle, get where we're needed. Somewhere pretty. Orders received. Hold on tight. We're headed out. Engineers standing by. Way. Where to, sir? Medical vehicle, get where we're needed. That's our number, boys. Get that newbie somewhere where... Ça me replie plus loin, mais finalement, on va peut-être rester quand même vers une de front. A munitions point is being attacked. Greases, stand to. We're to that. Time to roll. Bazooka squad is equipped and ready. Recon, sir. We're getting extra recon kit. Engineers standing by. That's our medical vehicle. Get them where we're needed. It's got Milne. Hey, you got it. This better be good. We got the word. Engineers. Sector lost. Trouble. No contact. Well, look what the cat coughed up. Let's pack it up. On va peut-être faire un ingénieur de plus. Ah oui, Stuart est en train de percer. Je jouais en fait. Close it in! Orders incoming! Combat engineers! Get on with it! Okay. What? Go! Stick together! Orders, come shake a leg, fellas! Getting eyes on enemy positions! Intéressant. Come on! Oh, fuck me! They're taking pot shots at us! Get head to the location! Engineer, move it! Oh, range. God damn it! Combat engineer! What's up? Move it! Don't stop for anything! God, grab your kit! Go! Engineers, get moving! Engineers get taking losses here! Only good. Clear out the windows! Be ready to engage! Enemy territory! Check for cover! Sir, yes, sir. Engineers here! Engineers have been reinforced! Move fast! Ready to get to it! We got the tools! Head to the location. You have command points ready to spend. Go, stick together. Man down, man down. Bazooka, capture that area. Engineers, take an enemy fire. Cover his position. Inside. Make a decision. Engineers have been losing numbers. You better pull your thumb out of your ass right now.
Oh mais il est pas sorti du bon côté, je perds une escouade à cause de ça. Recule. Voilà, je perds le véhicule parce qu'il a pas reculé. Perdu. Tout perdu. Ah, mon allié a même plus d'armée en fait. Ah non, son arme. Putain. Tout perdu. Et non, il y a une. Non, il n'y a pas de porte devant. Putain, mais c'est nul à chier ce bâtiment. En fait, j'aurais jamais dû rentrer dedans, j'aurais dû back tout de suite. On s'est pris deux. De toute façon, à un moment, c'était pas possible de gagner. Hein. 1v2. Commander, all vehicles will now have less strain on our population and upkeep. Je tombe vraiment sur des alliés que j'ai l'impression qu'ils servent à rien, sincèrement. Il y a aucune partie où j'ai des vrais alliés, c'est impressionnant. Je peux largement l'avoir en 1v1, ça c'est pas un problème. Par contre, je peux pas gagner en 2v1 ou en 3v1. Ça reste un RTS, hein. Quand vous êtes en équipe, vous gagnez ou vous perdez à plusieurs. Mais vous pouvez pas gagner tout seul. Ah, ils font un blob. Change rien du tout, qui continue comme ça, ils font que de la dope. Pas gagner tout seul, hein. Je gagnerai pas. Je me prends du 1v2 depuis tout à l'heure. Là, je me prends du 1v2 constant. C'est perdu. C'est fini. Hop, hop. Ah, par contre, c'est bien, on peut faire retrait dans le bâtiment. Voilà. Ils ont même pas l'idée de péter ça pour contourner par là avec une charge, mais. C'est fini. Non gagnable cette game. Je suis retenu parce que là, ouais. Non, je suis obligé d'attendre que tous mes unités soient soignées, je peux pas y retourner. Hein. J'ai encore perdu une escouade. Le problème, c'est que je peux pas faire du 2v, je peux pas faire du 1v2. Hein. Ah. Il y a Kari, le violet en face a été meilleur que mes deux alliés. Fini. Ah, je visais juste à faire mon défi. Le reste n'a aucune importance. Engineers need fire support. I don't fancy our chances, do you?
going to work with all this hey, noise? Hey, Tipco! Let's move! Let's listen move! Up. Target! Fire! Enemy infantry! Close it in! Move it down! Engineers, get moving! Target captured! I don't fit that weapon through! Take it off! Losses! All these run! Pressure. Here it comes, fellas! Get ready! On veut qu'on gagne, nécessairement. Moi, je veux bien essayer de faire le maximum, mais enfin, sincèrement, quand je vois comment il joue en bas, enfin, là, il va perdre son tank. Le problème c'est que moi j'ai le problème de la confrontation directe, là il est en hauteur donc je pouvais pas gagner en frontal. Le problème c'est que moi je me fais flanquer. En affrontant l'adversaire du milieu, normalement du sien, moi je me fais flanquer par le mien en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Ronte, il a très bien joué avec ça. Hein. Quoi, sincèrement, vous voulez que je fasse quoi? Il y aurait une escouade de plus? Vous voulez que je fasse quoi? En 2v1? En 2v1? Sincèrement, regardez, ils sont même pas capables en 2v1 de gagner. Mais à un moment, Oh, maintenant ils peuvent faire du 3v, ils peuvent faire maintenant du... Maintenant moi je vais se faire leur truc hein, sincèrement moi c'est bon hein. On est à chier, ils savent pas jouer. Cet après-midi c'est une catastrophe hein. Je vais voir les scores en fin de partie, il a été catastrophique, les alliés. Ennemi. Regardez, deux armées. Je vais même pas pousser. Il fait quelques moves jolis, mais bon, ça rattrape pas la game, c'est beaucoup trop tard. Sincèrement, il y a un bouton surrender, je me serais déjà rendu. Hein. Points left for us. Here we go. Grab your kit. Go. Take it from my elbow.
goddamn mind me! Andy, you better pull your thumb out of your ass right now! Lead the way! Take their On a des avantages de hauteur, comme toujours. On peut pas gagner. Mitrailleuse, il y a Magmise. Il y a même pas déployé. Si, il y a déployé, mais derrière le bosquet. Oh mais sincèrement, à des moments... Surtout de la pendance à pop, hein, ils savent que c'est gagné donc. On continue l'assaut. Ça confirme qu'ils étaient nuls jusqu'au bout. Oh putain, j'étais pas été si bon que ça finalement. Ouais, c'est ça que je vous disais, le violet qui a tout carré. Ah bah, le rouge peut le tenir. Hein. C'est le rouge. Il était pas bon. Hein. Le rouge était pas bon. Hein. C'est ceux qui jouent à position centrale. Hein. Ah non, ça c'est le violet. Autant pour... pas le violet, ça c'est le... l'orange. Le violet, ça doit être lui. Mais sincèrement, au début de partie, ils auraient dû gagner contre. Ça, tu as pas dès le début. Enfin, ça, tu as pas dès le début. Ça, tu as pas dès le début. Il faut deux points de co pour ça. Et c'est un fond 3. Il faut un troisième pour ça. Il y avait, c'est-à-dire qu'il y avait un Panzer pionnier, un Panzer Jäger et une MG. Et ils ont pu. Et son vis-à-vis, il a perdu contre ça en début de game. Et un transporteur. Un motocycle et transporteur en plus. Enfin, même. Ça, c'est pas résistant. Si tu tires dessus, tu détruis vite. Enfin... ouais, rien à dire. À part que les alliés étaient pourris. Ah, l'équipe était vraiment nulle. Hein.
Allez, 3 Wehrmacht. Une Afrika Korp. Moi, j'aime bien affronter Afrika Korp. J'avoue, dans ma composition, c'est vrai que là, le moment où... Ouais, deux bazookas, ça s'accame l'orgui. Hein. Normalement, les deux bazookas doivent me permettre de tenir... quand les plus lourds arrivent. Après, bah, peut-être qu'il faudrait 3 bazookas. Après, 2 escouades de bazookas, ça fait 4 roquettes. 4 roquettes et dégomme un véhicule léger. Clearing a path. We'll find a... We're gonna drive into the line and secure that ground. Veteran crews have been made available. Barracks is going right here. Je suis au sud. Position ouverte, donc... je vais pas jouer ingénieur. Ah, que j'aime bien ces joueurs. Riflemen are ready. Keep them capture and secure that area. Let's get to it. Advance team, securing point. Let's secure that ground. We have riflemen taking the field. Word, sir. Ready for deployment, sir. Fresh mags in. We got capture orders. Ouais, j'avoue qu'en britannique, faire opening double section d'ingénieur, pourquoi pas. Pas. C'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis un moment, ça. Mais ça fait pas de mauvais sens, son 4. Là, il y a une batteuse. Je m'attendais à une batteuse, voyez-vous. Juste attendre un petit peu. J'ai plus d'hommes pour un moment, donc... Hop. Intérêt à me mettre de ce côté-là. Deux fenêtres. Et ils sont deux au nord, alors qu'il y en a deux qui auraient dû aller au milieu. Enfin, c'est impressionnant comme les gens ils arrivent pas encore à apprivoiser la map. Watch it,
Et... pour moi, elle était pas dans cet angle de tir là. Non, 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 attendez, il tire à travers le bâtiment, sa batteuse. Ça sert à rien de continuer, j'ai juste perdu des hommes, donc ça sert à rien. Pas gaspiller des hommes pour ça. Ah bah tiens. Orange qui vient aussi. Je vais attendre. Ambiance. Half-track deploying his order. Half-track rolling in. Hold on tight. We're headed out. Parker over there. You may. Keep an eye out for Jerry. Ah, le sud va être perdu. Hein. Tant que je revienne. Là, il tire pas. Ça, c'est une bonne récupération, ça. Toc toc toc, on se soigne, puis après on y retourne. Je comprends pas pourquoi ils ont pas tenté d'attaquer, parce que ça se voyait totalement où ils m'étaient fait poutrer. Ok, ça redonne le... Voilà. Must take it back. God damn it! Someone get us out of here! We're two, grab that engine, boys. Lock and load. Move, move, move! That's a go. Cut that infantry down. They're moving. He's dead. Get to it. Stay down. Cover him. Lights in. Reinforce. Yeah. Honte. Truc bien gratuit. We're up, boys. All right, boys.
medical crews have been granted the means to repair in the field. What do you need? Keep that formation tight. Bon, ils jouent bien les alliés. Hein. Quelle science qu'il y a fait au début, le petit mouvement. J'avoue que j'avais pas trop compris, mais pas forcément mal. Le problème, c'est que ça a mis derrière haute en position un peu plus compliquée. En priorité. Oh, finalement. Non, oh, ok, c'est bon, rose. C'est gros, c'est pas le violet. J'ai fait confondre la couleur du morceau. Je me suis dit, mais ils ont quand même pas venir à 3. Claimed by the enemy. That's us, boys. So much for peace. Let's go, bull. Keep that head down. Keep that head low. Pull in, squad. Keep that head down. Fire. Relay orders. What? Come to the boys. Keep your heads down. Scouts, head to location. That's a go, boys. Enemy point needs to be neutralized. Pull in, squad. What? Vous move. Après, peut-être, il faut juste qu'il se méfie, hein, qu'il remonte pas là-dessus, hein, l'adversaire. Mais c'est pas lancé ma construction. On va faire ça. Improved vehicle production is in. All vehicles are now cheaper to produce. Après, on n'a pas besoin de les faire. J'envisageais de faire les. Vous avez vu, j'ai lancé attaque de toute façon. De faire les. Browning, mais je pense pas que ce soit nécessaire dans cette situation. Après, ça me permettrait d'assurer en tout cas l'avantage que j'ai. Deux choses, soit c'est parce qu'il y a un véhicule. Maintenant on sait ce qu'il fait. Incoming. Get
Make it quick and make it loud. Come on. Look alive. That's a go. C'est exactement ce qu'ils font. Say the come on, let's get this show on the road. The battle is in our favor. All right. Let's move like we got a purpose. MG waiting on you. All right. They want us up front. Boys are Oh, Krauts are taking it personally. Press that squad. Open up. God damn it, rifles, shift those asses. Relax. Double time, soldiers. I've been told, but back it up. Weapon crew. Move it. Here with me. What? Move. Watch your flanks. You men. God damn it. Someone get us out of here. All right, men. Stand up. Watch for movement. Cover him. Hit him with grenades. Jump to it, boys. Come on, move your asses. We're ready to go, sir. He's dead. Love grenades. Get on, move your ass! Taking losses! Every half-track has been destroyed! Let's go, move, goddammit! Relay orders! Down the hill! All in, under fire! Small arms! We're eating dirt over here! Cuss him apart! Let's go, boys! Taking losses! What? Cover him! All right, men, stand by! Grenade! Head out! Jump in, go, boys! We're tracking them on 300 points! Let's make them holler! Ah. J'ai un tout petit peu mal mieux. Je vais me replier ça. Je vais replier ça, ça sert à rien. Commander, all vehicles will now have less strain on our population and upkeep. MG waiting on you. Ah, il reprend le nord. We've been told, and how exactly are we? Et moi, je vais refaire un petit half-track. J'ai un peu trop avancé, ça c'est mon erreur, mais bon. Sherman tank finished and ready. Et c'est body block. Je pense que tout mon assaut initial. What? Jump to it, boys. Move your ass. Go. Defend our victory point. C'est aussi puissant que ça, cette merde. On sait pas que c'était aussi puissant. Ouais, c'est ma faute. Sherman, let's get this baby purring. All right, let's move out. Let's get the victory point has fallen into enemy control. Enemy armor wants to fight. Lighten up. Armor fire. Who's got eyes on? Ground armor, engage. Straight on, straight on. Give us some distance, goddammit. You have 3 command points available. Job. Order confirmed. All right, boys.
On va retourner tranquillement à la base. Je pensais que c'est une grotte qui faisait juste le double de dégâts, je pensais pas qu'elle faisait aussi mal. Ah, c'est une compétence, c'est pas un passif. Je pensais que c'était un passif. Donc c'est beaucoup moins bien que ce que je pensais. C'est-à-dire, il y a un arbre qui est tombé, donc si un arbre est tombé, c'est qu'il y a une raison. Bloqué. Ah oh, punaise. Spend our munitions. All
Prepare and refit at once. Get out of here! Get out of here! Fall back! That's in a firm. Get this tin can moving! Keep it down, god dang it! Il n'y a pas eu beaucoup d'off track. Hop, voilà. Seek and destroy tactics available. Vehicle crews have clearance to advance. Well, aren't we excited? Got ourselves a field promotion! All right, Pitbull, you're up! 50 cows in! We got the tools. Tools down. Eh bien, cette compétence, elle coûte quand même très cher pour le peu de réparation que ça donne. Bon, j'ai quand même dépété plusieurs véhicules, donc ça c'est le bon point. Je n'ai dégommé aucun des deux. On se cache pas que je focus beaucoup l'objectif de faire des kills avec les véhicules, avec les Sherman. Ça c'est le combat de trop. Down. No survivors. Give us some distance, goddammit! Ability ready. Reverse! Grind those gears! We've done it! The enemy has been... Ah, c'était du n'importe quoi. Bon, l'équipe était très bon. L'équipe avec nous était très très bon. Surtout le Sian qui a porté tout le centre et le haut de la game avec tout seul. Ah, quasiment 10 kills de véhicule à une game. Quasiment 10.
Quand même sympathique quand même d'avoir les véhicules avec un surtout ref track de vie. Ref track de vie là directement avec la compétence qui améliore la résistance des unités autour. C'est quand même pas mal. Hein. J'aurais été beaucoup plus. J'aurais pas le défi, j'aurais en fait changé un tout petit peu comment j'aurais fait. J'aurais fait un deuxième canon de charge, j'aurais amélioré avec des barres mes unités, j'aurais peut-être sûrement fait un quatrième unité de fusil. C'est quoi l'utilité de faire ça, sincèrement? Il y a deux unités qui sont à découvert. Ouais. Je vais capturer ça pour notre allié du milieu. J'ai voulu partir Wizband au cas où. Peut-être je vais sûrement prendre pour rien ce commandant là parce que c'est pas ce qui va poser souci, mais je préférais avoir le Wizband au cas où. Ah, c'est excellent en fait. Vraiment, le seul qu'on n'a pas vu, c'est l'orange. On part du loup. Come on, move your asses!
De plus. Lost control of the sector. That's a go. The boys will have grenades soon. Get on with it. Leave him. Round 42. No more. Man down. Jump to it, boys. Keep that formation tight. Pull it. Pull back. Pull back. Go, go, go. Go. Cover him. Jump to it, boys! We can distribute grenades to the front line, men! Hey, fuckers! Get out of here! Fall back! Ah, dommage. WRC, going up! Ah, dommage. Commander, we've lost the sector. Listen up. La petite grenade était bien sentie, je pensais avoir pensé quand même pouvoir reflinguer. We have territory under attack. We have M29 weasels ready to deploy. Reports of enemy movement near our victory point. Be ready. Secure the area. Right, move your ass. Go. The hell you waiting? Territory point is no longer under our control. What do you need? Come on, let's get this show on the road. Spread out on that area and hold it. Look, we're boys, locked and loaded. Fresh boots. What do you need? Remove your asses. Pull in, squad. Down the head. Crowd infantry. New recruits in. Right behind. Come on. We ain't got all day. Hey, tip to move it. Now. Move complete. Target secure. Tip down. Watch out. Fall back. Get the hell out of here. Flares will light up the battlefield at your command. Our line is collapsing. Mais où? Oh putain, mon navire s'est fait écraser au centre. J'ai pas fait gaffe. De te péter les couverts, ça va pas péter. Non, mais sincèrement, enfin. Mais c'est que moi, je me gâche, ça va commencer à être compliqué si je viens en combat de deux en fait. Ah punaise, j'étais micro, je perds les squads. Elle est morte. Reconcentre au centre. Je sais pas ce qu'il fait avec son half track, il aurait pu me nettoyer un peu de mon côté, mais il fait demi-tour. Surplus of command points. P4
47 strafing runs are now available, Commander. Victory point, now under enemy control. Get started, let's go! That's a go, boys! Pas assez de munitions. Reinforced. What's the mission? Rifles losing integrity. Fire. Let's go. What do you need? Let's advance. Come on, let's get the. Let's go. Come on, here. Move your asses. What? Motor pool ready for production. Double time, soldiers. Move, move, move. Watch. Hold him moving. Donc mon allié reprend sur la gauche. Au centre, j'ai plus de troupes. Nous essayons de faire retourner. Voilà. Pas par ça, mais... J'avoue que vol de la batteuse, ça c'est un... Ça c'est un très très bon coup ça. Il y a deux batteuses, ok. C'est serré de mon côté, c'est serré. Vraiment, je mettrai personne devant l'autre. Il a fait un bon move avec son attaque derrière avec ses parachutistes. Yeah. Ouais, c'est bon, je suis en train de me faire flanquer par. C'est ce que je me dis. Attends, il y a un truc qui est bizarre. C'est pour ça qu'ils reprenaient, ils étaient à deux en fait à gauche. Bah, ça, c'est un gros problème. Ça fait que le milieu est totalement ouvert et ce qui fait que je peux, si j'avance, je me fais que. Là, on a vu déjà les premiers tirs du violet. Je me fais tirer sur le flanc par le violet. Donc là, on est en train de la perdre. Là, on perd cette initiative. Là. Et à gauche, ils ont pas, à deux, ils n'ont pas réussi à prendre. Donc autant dire qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait a servi à rien. Ils ont pas la gauche, ils ont rien du tout. Voilà. Comme par hasard. Il y a ces prises de décision dans cette équipe qui sont. Voilà. J'ai fait une erreur parce que j'ai tellement voulu avancer. Il y en a 40. Anti-tank crew killed in action. Il était pas l'orange, ça allait sincèrement. C'était un V1 classique. Impossible à gagner avec des équipes pareilles, mais sincèrement, ils sont nuls à chier. Hein. Get ready to guns, move out. Stay together. Let's move out. One out. Move to secure a position. Rip those boats! Keep moving!
weapon has been decrewed. God damn it, rifles, shift those asses! Move! Watch your flanks! Get to it! Your ass, go! Sincèrement, ils ont pas été si forts que ça. Hein. L'autre, l'orange, il a fait un très beau move, c'était les parachutistes avec la grenade, parce que je savais pas que la grenade pouvait one shot. Ah, ça, c'est avoir sous-estimé l'unité. Et d'un point de vue plus global. Ok, il y a un. Ok, il y a un Panzerfaust en plus, ok, grenade Panzerfaust, je comprends mieux comment il a flingué le premier. D'accord que c'est déployé deux fois. Sincèrement, enfin, je vois le level. Avant de continuer. À part perdre son temps. Mais c'est. Même pas, enfin, autant moi ça, c'était serré avec l'orange et je pense que je pouvais autant gagner que perdre, c'était pas encore acté. Mais autant, enfin, qu'est-ce qu'ils ont foutu, nos alliés? Qu'est-ce qu'ils ont encore foutu? De quand on y réfléchit un peu, enfin, sincèrement. Le sien, il se fait écraser en 1v1. Le bleu foncé n'a réussi à avancer qu'une fois qu'il était en 2v1. Donc ça veut dire que mes deux match-up de mes alliés étaient perdants. Ok, je suis en position centrale. J'ai pas du tout fait gaffe à ce qu'il y avait en face. C'est que la map est grande, donc position centrale, c'est pas plus simple. Hein.
Parce qu'Africa Corp ne connaît pas les autres factions, sa mobilité. Hein. Un verre mort. Et en position centrale en plus, Africa Corp. On aura peut-être une vraie équipe cette fois. Hein. Ok, il a fait en prendre. Are making their way to frontline forces. Open wide. That's a hit on that point. Relax. Hit on with it. Il s'est fait poutrer à gauche, ça veut dire. Je n'ai pas d'autre explication de pourquoi il vient sur moi. Jamais c'est le cas, putain, ça... Bon, au moins, le jaune à droite gagne. Moi, sur ma première confrontation, ça s'est bien passé à mon avantage. C'est dans ce bâtiment. Dans ce bâtiment, je suis con. Je vais me faire. Ou je me replie, sinon je vais me faire encercler. J'ai l'habitude. Hop.
Tags have been made available. Let's move out. Sector lost. No contact. Il a pas tiré avec ses fusils anti-chars sur le véhicule. Ça c'est pas le chemin le plus court. Hein. Le chemin le plus court, c'était ça. Hein. J'ai une escouade, j'ai entendu. Ça change beaucoup de choses, ça. Je ne sais faire pousser. Qu'est-ce qui s'est passé à droite aussi? Oh, tu t'es replié. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Sincèrement, qu'est-ce que j'ai comme équipe de merde? Recovery vehicles ready to take the field. Let's advance. That's us, boys. Get your gear ready. You men, get ready. On your feet. Ready for on our way, sir. Ça on a pas. Enfin, on a tout perdu à gauche. À droite. On a quasiment tout perdu à droite aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, mes alliés? Ah, miss click. Capture point is being overrun. That's in range. Drop them. We've lost the territory sector. Get on with it. Where the hell did they come, boys? Fresh boots. Hit them with grenades. Cover it on them. Cut that infantry down. Relay orders. Damn it! If it's not one thing, it's another. Sunset these fuckers. Take down that flag. We've lost the scout squad. Open fire. Move your ass. Range ça. J'avais justement besoin. Non mais sincèrement, mais c'est un coup de pas de chance ou l'autre il est chanceux comme tout là. Deux reprises et moi de shot une escouade. Récupérer ça.
point is being seized by the enemy. You men, get ready. We're locked in. We got a full map. We've lost an anti-tank gun. Le but c'était justement de récupérer ça. Le canon de char. On tourne. Sir, get on it, fellas. Time to earn your living, soldiers. Keep that formation tight. All right, let's move like we got a purpose. Let's roll it out, boys. Improved vehicle production is in. All vehicles are now cheaper to produce. Voilà, j'ai pas pu récupérer la mitrailleuse, mais j'ai récupéré moins le canon de char. Deploying engineers now. Double time, soldiers. Get ready to kick some ass, boys. Let's all hold up. Let's go. Ready. Let's move out. Engineers standing by. Bon, toujours pas ce que fait mon allié. Là, ce qu'il va intercepter. Voilà l'allié qui vient avec moi, très très bonne idée. Commander, all vehicles will now have less strain on our population and upkeep. Keep that formation tight. Stuart qui fait le boulot à gauche. Et il faut juste qu'il tire dessus et le détruire. Normalement. Qu'est-ce qu'il fout quand même? Faut qu'il ait avancé encore. Hop, mort. Points available.
C'est tiré sur infanterie en fait. À droite, c'est équilibré. Je vois que ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Donc, bon, après une partie où on a eu des alliés inexistants, là on a eu des alliés qui étaient bons. Pas vraiment eu de je suis en train de réfléchir, il n'y a pas eu beaucoup de confrontations en fait. Il y a eu quelques confrontations entre moi et l'Africa Corps pour 1v1 qui ont été plutôt à mon avantage par rapport à ça, notamment du fait des grenades. Ouais. Avec ça, ça veut déjà tout dire. Donc ouais, c'est vrai, contre l'Africa Corps, bon, après l'aide de mon allié quand même qui a pété l'un des transports légers dès le début, ça aide beaucoup, hein. Dire ça a bien aidé. Après l'autre, ouais, c'est le Wehrmachter. Il a fait un sniper au début, je l'ai pas vu. Il y a trop fait d'unités différentes. Par contre, le vol du canon de char MVP, hein. Le canon de char que je récupère qui permet de finir le petit char nickel, hein. À droite, là, un sniper aussi. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que je trouve la partie, on a fait de plutôt de belles parties. Des défaites, des victoires, des défaites larges. Des parties où on n'avait pas d'équipe, c'est tout, hein. Il n'y a pas trop d'autres mots, hein. Là, on va dire, par rapport au dernier stream, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus one-sided que d'habitude. Autant d'habitude, les parties, c'est équilibré, autant là, j'ai trouvé que c'était tout d'un côté ou tout d'un autre. Il n'y avait pas de vraiment de partie où c'était serré, serré, serré. Donc, dommage. Moi, je m'en perdre lourdement, parce qu'il y a 2-3 joueurs qui jouent pas, ça m'énerve. Perdre. Alors que c'était serré toute la game, mais perdre à la fin parce qu'ils ont été meilleurs, j'aime bien. Ou gagner, inverse aussi, gagner c'est bien aussi, mais au moins la partie aurait été le meilleur du monde par rapport à ça. En tout cas, moi je vais arrêter ce stream ici, un bon petit stream. On se retrouve le week-end prochain pour d'autres streams, soit sur Compagnie of Heroes, soit sur d'autres jeux. J'aviserai en temps et en heure. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à me follow sur les réseaux sociaux et sur Twitch pour continuer à me suivre, et je vous dis à bientôt. Au revoir.